C'est impossible. Ah, ça fait un sacré vide. Hein. Ah oui. Alors, je vais commencer aujourd'hui le débrief par un petit flashback, une petite rétrospective de Zahira et de Sidoine, puisque vous êtes les deux premiers couples demi-finalistes. Et donc, ça va être intéressant de voir. J'ai relevé quelques petites choses, sur les premiers primes et le dernier, pour voir justement un petit peu l'évolution. C'est intéressant de se rendre compte des fois à quel point ça nous échappe, les choses nous échappent. Alors ça, normalement, c'est la reprise de Beyoncé. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Bon, il y a un truc qui m'a dessus. Je me rappelle du coup du premier débrief. Je m'avais dit oui, ça fait genre un peu tu te la pètes comme ça et tout. Dans l'attitude, maintenant, je comprends avec le recul. Mais ce que je vois, c'est que je suis juste trop contente d'être là. Ah, mais ça change rien. Oui. Bien sûr. Je m'en rappelle dans mon état. De toute façon, toutes les remarques qu'on peut faire sur ce qui cloche, ce qui va pas, ce qui est pas vraiment vous, tout ce qu'on peut pointer, qui soit négatif, on va dire, ça veut pas dire que vous n'êtes pas heureux d'être là et que vous avez pas été sincère là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'on retrouve la Zahira d'aujourd'hui qui a toujours le plaisir, la générosité, tout ça. Après, tu chantes quand même comme ça. Ouais. Je vais pas dire. Tout chante, tout du nez. Je sais pas, je me suis pas. Mais tu vois, je chante tout du nez. Tes doigts sur le micro, là, c'est juste une horreur. On n'en parle pas. Et puis on sent. T'es pas quelqu'un depuis le départ qui est éparpillé, de toute façon. Donc t'es quand même planté. Tu vois, t'es quand même là au milieu de la scène. Et c'est une des remarques que je t'ai jamais faites d'ailleurs. On va voir la suite. Sur celui-là, voilà, le plus gros, c'était vraiment ta voix. Ouais, qui était tout dans l'arrière-gorge et derrière le nez. Tu vois, le micro qui se balade à fond, vas-y, la chanteuse. Et je fais ma chanteuse. Et puis les doigts sur le micro. Enfin, voilà. Le côté des petits tics comme ça qui ne t'appartiennent pas et qui font de toi quelque chose de parasité, tu vois, qui me dérangeait forcément. Donc, deuxième défaut. Tu vas voir. Alors là,
Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'apparaît? Je sais pas, là, pour moi, j'avais, je commençais déjà à me dire qu'il fallait que je me calme sur les attitudes. Déjà, quand on fait un gros plan, je vois que je suis en train de bloquer mes doigts pour pas qu'ils bougent. C'est le début de l'apprentissage pour moi, mais c'est pas encore ça, quoi. Bah, disons que, oui, il y a ça, il y a le début de, on sent que tu commences à réfléchir à faire ou pas faire certaines choses. La voix est moins dans le nez, déjà. Les doigts, ils se baladent moins. Mais alors, les vibes, c'est le sapin de Noël. Mais alors, chargé, le sapin de Noël. Ouais, mais... Bon, ceci dit, t'es en face d'une concurrente qui est dans cet esprit-là aussi. Ouais. Mais c'est là où, moi, je trouve pas ça intéressant. C'est-à-dire que, voilà, ça existe déjà. Oui, c'est sûr. Vrai qu'Amel Bent, elle est arrivée avec ça, et ça lui colle, et ça lui, c'est sa marque. Et que nous, on a envie que tu te démarques. Mm. Donc, moi, pour moi, c'était trop encore extérieur à toi. Donc, c'est, pour moi, là, on a vraiment le sapin de Noël bien chargé avec les boules, les guirlandes, les lumières, tout ce que tu veux, la neige, le coton, tout ce que tu peux mettre dessus, tu l'as mis. Et on c'est très, pour moi, ça manque de simplicité. Ouais. Tu vois, c'est très chargé. Mais tu étais effectivement tout doucement en train d'apprendre et de désapprendre en même temps. Donc, c'était intéressant. En plus, pour moi, je pense que ces histoires de vibes, c'était ta valeur sûre aussi. Tu es arrivée avec, tu vois, c'était ta valeur sûre, c'était ta façon de nous montrer que tu savais chanter. Et du coup, bah, forcément, tu nous l'as étalé sur oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Après, démolir quelque chose qui est une assurance et qui est ta valeur sûre, c'est pas évident, mais ça se justifie, tu vas voir. Ouais. C'est bizarre, hein. Alors, ouais, non, bah, c'est pas encore ça, quoi. Et là, j'avais même pas encore bien confiance en moi. J'étais entre le truc de me dire, putain, j'en fais trop. Du coup, je savais pas comment être sur scène. Je savais plus. Là, j'étais complètement. J'essayais juste, quoi. Je me vois en train de me débattre, mais je me fais trop de la peine. Non, parce que, franchement, c'est exactement ce que tu dis, mais c'est pas ce qui se voit. Ce qui se voit. En tout cas, je pense que les gens ont kiffé tout ça. Voilà, t'étais là. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que tu cherches ta place. C'est la première fois que tu essayes de prendre ta place scénique, vraiment, sur scène. Avec quelqu'un qui est très à l'aise, hein, comme Jennifer, qui, ça y est, elle a fait sa route, elle a plus rien à prouver, elle est là. Bon, toujours très généreuse et à la maison, hein, sur scène, comme à la maison. Ah ouais. Toi, évidemment, pas te trouver en porte-à-faux avec elle. Bah, moi aussi, je suis hyper couche à la maison. Moi, je suis un peu coincée. On va essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas. C'est ça. Voilà. Mais c'est super parce que pour moi, c'est un passage. C'est-à-dire que c'est un passage obligé. C'est comment on fait pour prendre l'espace, comment on fait pour se sentir libre et de ne pas y réfléchir. Mais là, ce que tu vois, c'est que tu sais, toi, que tu y réfléchis. Puisque tu dis, c'était l'enfer pour moi, je ne savais pas, j'essayais, etc. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que tu essayes à ce moment-là. Ça se voit pour quelqu'un qui regarde le travail comme je le fais. Donc, ça se voit, mais ça ne se voit pas forcément pour le public. T'inquiète pas. Mais aujourd'hui, le public voit la différence, mais il ne sait pas pourquoi. Tu vois, parce que tous ces détails-là, ils ne le voient pas forcément. Moi, maintenant, je sais pourquoi. Quoi. Je me rends compte, mais c'est vraiment un truc de fou. Ah oui, c'est énorme. Franchement, ça fait trop, trop bizarre. Là, je me rends compte de tout ce que j'ai appris, pour le coup. Quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire ce flashback, parce que c'est important pour vous que vous vous rendiez compte que ben, tout le travail, tout ce qu'on pointe, même si on vous fait mal parfois, parce que c'est pas toujours plaisant à entendre, parce que je sais qu'à chaque fois que vous êtes sincère et que vous avez envie de faire bien, ouais. Mais nous, on remet pas en cause la sincérité, on remet en cause quoi que parfois, si, mais
En ce qui te concerne, ça n'a jamais été le cas. En ce qui te concerne, c'est vraiment trouver ta place, te démarquer, ne plus être dans ces images que tu peux avoir dans la tête, même d'une manière inconsciente, des artistes que tu affectionnes et qui font que de toi, quelqu'un de pas vraiment toi, en fait, tu vois, mais de proche de ce que tu aimes ou de ce que tu aimerais être, du fantasme même, de ce qu'on aimerait être, mais pas de la réalité. Déjà la voix. Plutôt fière de moi. Mais tu peux, d'ailleurs. Ouais, là, je vois, et je le disais, en plus, je me disais, cette chanson, ça va prouver tout ce que j'ai appris dans les nuances, dans... Complètement. Ça fait trop bizarre. Et tu vois, tu pourrais te dire, oh, mais qu'est-ce que je vais faire assis sur un piano à pas bouger? Tu peux plus te poser la question. Tu peux plus te poser la question. T'aurais fait ça le premier jour, t'aurais été super mal à l'aise. Ah ouais, franchement, ouais. Tu vois? Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit non seulement... tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été gommé, tout ce que tu as, surtout toi, comment tu t'investis maintenant et comment tu t'impliques et de laquelle manière tu t'es dégagé de tout ce qui te dérangeait et de tout ce qui t'empêchait d'être libre. Parce que tout ce que vous faisiez avant, c'est un carcan, en fait, finalement. Ah ouais. Rien n'était ouvert, tout était fermé. Et là, ce qui est formidable, c'est de voir à quel point tu es juste assise, tu es là et tu as la classe, tu as beaucoup de classe. Je trouve que c'est très subtil. On entend toutes les nuances du chant. Le chant, mais même dès que ça commence, la voix, elle est posée. T'es bien dans le bas du son. C'est juste magnifique. Moi, je suis vraiment bluffée. Même moi, en regardant, je me disais, ah ouais, quand même. Ah oui, la différence, quand même. Ah ouais, là, il y a de la différence. Parce que je me souviens quand même des premières prestations. Mmh. Quand je t'ai vue, je te connaissais pas. Ouais. J'étais quand même impressionnée. Je me dis, quand même, elle chante, cette fille. Elle a vraiment déjà beaucoup, beaucoup d'atouts pour elle. Comment on va avancer, qu'est-ce que ça va donner. Et là, vraiment, je me suis dit, ah oui, quand même, il y avait quand même du chemin et tu l'as fait. J'étais déjà trop fière d'avoir pris tous ces cours et tout, mais alors là, encore plus, quoi. Ben là, moi, je dois dire, j'étais au spectacle, hein.